Ali Ziri était un retraité algérien âgé de 69 ans. C'était un Chibani, un de ces immigrés venus en France dans les années 50 pour fournir une main-d'œuvre bon marché à l'économie française en pleine croissance. Pendant 40 ans, Ali Ziri a vécu dans ce foyer Sonacotra, rue Karl Marx, à Argenteuil, 4 étages, 380 places. Ali Ziri avait sa chambre au premier, une pièce exiguë au confort sommaire, une table, un lit, une fenêtre, une télé. Lui, il est arrivé en 59, et moi j'ai arrivé un an après. C'est mon beau-frère, on a travaillé ensemble, certaines années. Il a 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Sa femme, c'est la sœur de ma femme. Il est revenu à Paris pour 15 jours. Il attend de préparer son mariage, le mariage à son fils, Rachid. La dernière fois que Nasser Kefil a vu son cousin Ali Ziri, c'était le 9 juin 2009 au matin. Il était de passage au marché pour faire des achats et préparer le mariage de son fils Rachid, prévu au cours de l'été. Le mariage n'a pas eu lieu. Ali Ziri est mort le 11 juin 2009 à 7h30 du matin à l'hôpital d'Argenteuil suite à un contrôle policier. Il est passé le matin vers 8h du matin. Il m'a trouvé au étalage en train de préparer, en train de travailler. Et donc, après, il m'a dit maintenant, j'ai mon fils qui va se marier cet été vers le mois de juin, le 9 juin ou 15 juin, je crois. Il m'a dit, j'ai un pantalon à acheter si tu peux me trouver au marché. Moi, j'ai pas le temps, j'ai des papiers à faire à Paris et tout. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, je vais t'acheter le pantalon. Et le reparti, il m'a dit, on va se voir le jeudi. Et le 9 juin, au soir, j'ai reçu un coup de fil du commissariat d'Argenteuil. Ils ont dit qu'il y a M. Ziri, est-ce qu'il est parti de votre famille? Oui. Il est à l'hôpital d'Argenteuil. Il a reçu un arrêt cardiaque. Vers minuit, M. Kassir Azzawi m'a donné un coup de fil. Il m'a dit, il y a un problème, ton oncle Ali s'est arrêté par la police d'Argenteuil. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Ali, je connais, c'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un qui fait des problèmes quand même. Il m'a dit, je ne sais pas. J'ai un coup de fil de la police d'Argenteuil, qu'il est à l'hôpital exactement. Vers minuit, comme ça, j'ai pris la voiture directement à l'hôpital. J'ai vu l'état d'un Ali, j'ai dit, c'est pas possible. Mais Ali, il est comme ça, il est dans les 7 états. Qu'est-ce qui se passe? Après, je commence à consulter le corps. J'ai trouvé tous les hématomes au niveau de son corps, les traces des menottes, droite et gauche, le genou déplacé, je crois que j'ai le genou droite, les hématomes au niveau de bras, les deux bras. On dirait greffé. Au niveau du cou aussi, des hématomes. Le cou, c'est un hématome aussi. À peu près, moi, ce que j'ai consulté, à peu près, moi, une dizaine d'hématomes. Après, dans l'hôpital, j'ai récupéré toutes ses affaires, sa pièce d'identité, son chéquier, sa carte bancaire. Et c'était noté sur une grande enveloppe, tout ce qui est... Il y avait de l'argent, je crois qu'en dinars. Il y avait au moins 40 euros à peu près. Il y avait une petite pochette en monnaie, il y avait 5 euros. Et puis j'ai réclamé la veste et il m'a dit la veste, on ne sait pas. Ils n'ont même pas à me dire la veste, il est où, avec la chemise. Donc j'ai récupéré la ceinture et le pantalon.
et des chaussures et des chaussettes. Et je les mets dans mon garage. Donc à chaque fois que je rentre dans mon garage, ça me fait vraiment choquer. Quand je vois ces affaires, elles sont disparues, vraiment ça fait de la peine. Le 9 juin 2009, vers 20h30, Areski Kerfali, 61 ans, au volant de son véhicule, se fait contrôler par une patrouille de police à Argenteuil. Son ami, Ali Ziri, est assis sur le siège passager. Deux jours plus tard, Areski sort du commissariat complètement sonné, avec de multiples ecchymoses dont témoignent des photos prises par ses proches. Ali Ziri, lui, gît sur un lit d'hôpital. Le coma a été constaté le 9 juin à 22h45 par un médecin urgentiste. La mort clinique est enregistrée le 11 juin à 7h30 du matin. J'arrive au boulevard Jeanne d'Arc, j'ai vu la police qui m'a fait signe d'arrêter. J'ai arrêté, il me dit serre à droite. Il me dit sors. Moi je crois qu'il va me demander des papiers ou un truc comme ça, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai sorti de la voiture, il me tient par la bras. J'ai dit moi je porte plainte, j'ai rien fait, qu'est-ce que j'ai fait. Ah mais allez aussi, il dit moi aussi je prends la plainte. Moi je me trouve par terre, je me suis tombé par terre, ils m'ont écrasé avec leurs pieds, les mains, les bras, tout. J'ai appris tout ça, j'ai des fautes et tout ça. Après, j'ai perdu la connaissance. Les nombreuses marques anormales constatées sur le corps d'Ali Ziri et sur Areski Kerfali ne laissent pas indifférents leurs proches et amis. Ils se réunissent au foyer des remparts. Après concertation, ils décident de se rapprocher de maître Sami Skander, avocat au barreau de Pontoise. L'enquête, auto-diligentée par le commissariat d'Argenteuil, établit une mort due à une hypertrophie cardiaque. Le commissariat s'institue ainsi juge et partie au lieu de confier l'enquête à la police judiciaire de Versailles selon la marche à suivre. Il ne nous a même pas demandé les papiers, même pas dans les papiers, un truc comme ça. Il m'a fait sortir tout de suite, j'ai sorti, il m'a mis le truc, je me trouve par terre. Il y a même la dame qui me tient ma tête, moi je me lève ma tête comme ça, elle s'appuie avec ses pieds. La policière. Oui. Oui. Dans ma tête, il me met comme ça. Vous avez mis le pied sur la tête. Oui, sur ma tête. Déjà, j'ai même des cicatrices. Il est rentré à la maison, il était dans un état épouvantable. Tout de suite, ce que j'ai fait, la première chose que j'ai faite, j'ai pris l'appareil photo, je l'ai pris en photo. Et voilà les photos que j'ai prises. On ne le reconnaissait pas. Il était dans un état épouvantable. Il était... Je ne sais pas comment vous dire, mais on ne le reconnaissait pas. Il est rentré dans la maison, j'ai senti qu'on l'avait déjà massacré avant qu'il m'en parle. Moi, je l'ai senti avant. Et après, quelques secondes après qu'il était à la maison, après j'ai vu les griffes qu'il avait sur le visage, tout. Là, j'ai pensé qu'il s'était passé quelque chose. Quand j'arrivais à l'hôpital, je vais aller sur le brancard avec une charte blanche. Moi, il m'a fait une prise de sang, je me suis retourné en garde à vue, au commissariat. J'ai resté jusqu'à le lundi, mercredi. J'ai sorti, il était 19h à peu près. Le commissariat nous a appelés en nous disant « Votre mari, est-ce qu'il peut se déplacer parce que j'ai besoin de lui parler ?» On lui a dit « Oui, on vient ». Et quand je me suis présentée avec mon mari au commissariat, il nous a dit « Vous, Madame Kerfali, vous ne montez pas, vous restez en bas. » Et je lui ai dit « Pourquoi que je n'ai pas le droit de monter ?» Parce que
je suis sa femme et il y a des papiers qu'il ne sait pas lire, qu'il ne sait pas signer. Quand j'ai monté, le policier me dit « Asseyez-vous ». J'ai dit « Assis sur une chaise ». Il dit « Voilà, M. Kafari, votre ami, il a décidé hier ». Je dis « C'est bon ». Il dit « Oui ». Il était en bonne santé. Je dis « Comme ça, direct ». Je dis « C'est bon ». Il me dit « Non, il a une crise cardiaque, il a vomi, ça, ça ». Je dis « Non, non, moi je le connais en bonne santé. Depuis que je le connais, il n'était jamais malade, ni le cœur, ni rien, ni rien du tout ». Quand ils sont redescendus, mon mari, alors là, il était blanc comme un mort. Il tremblait et ça n'allait pas du tout. Et le commissaire me dit comme ça, « Ben voilà, j'ai annoncé à votre mari que monsieur Ziri est décédé. » Ça fait plus d'un an qu'il est soigné suite à cette agression avec les policiers. Depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, le 2 mai, il est toujours suivi par l'hôpital à cause de ça, à cause de cette agression qu'il y a eu avec les policiers. Et pour moi aussi, c'est très difficile de m'en remettre. Que je vais mettre des années pour m'en remettre, mon mari encore plus, parce qu'il a atteint de partout. On ne vit plus, on n'a plus la même vie qu'on avait avant. Avant, on plaisantait beaucoup, on riait. Maintenant, c'est fini, on ne parle plus, on ne plaisante plus. Notre vie, elle est foutue. On a peur de sortir dehors. Voyant et sachant qu'il n'avait ni certificat médical, ni analyse, ni même un papier indiquant qu'il a été accueilli aux urgences de l'hôpital d'Argenteuil, je l'ai accompagné, c'était une semaine après, à l'hôpital d'Argenteuil pour que Aliss Ri Khalfali soit examiné et que des certificats médicaux lui seront délivrés. Bien sûr, là aussi, on n'a pas vu arriver, on n'a pas entendu parler de cette affaire. Le médecin qui nous a reçus pour l'établissement du certificat, il nous a tout simplement expliqué que lui, le jour où Aliss Ri Khalfali et Aliss Ziri ont été accueillis à l'hôpital d'Argenteuil, lui, il était bas de service, par conséquent, et il ne connaissait strictement rien de l'affaire. Et il a ausculté le corps d'Aliss Ri Khalfali et puis il lui a délivré un certificat médical et puis un arrêt de travail de quelques jours. Voilà. Face à cette situation de rejet, de refus, de dépôt de plainte, un collectif constitué de nombreuses organisations syndicales, politiques, associatives et particulièrement des citoyens de la ville d'Argenteuil, indignés par tout ce qui s'est passé et surtout le mépris de ne pas prendre le mépris du commissariat et de la gendarmerie de ne pas prendre en compte le dépôt de plainte. Un collectif donc s'est constitué et puis il a entrepris un certain nombre de mobilisations dès le 24 juin. Le parquet de Pontoise classe l'affaire sans suite. La cause du décès est liée à des problèmes cardiaques ainsi qu'à l'absorption d'alcool. Il n'a pas été violenté par la police, déclare le procureur adjoint au journal Politis du 22 juin 2009. Pas d'information judiciaire, pas d'enquête médicale. Dénommé Vérité et Justice pour Aliss Ziri se constitue. Mais à sa première conférence de presse, seul un journaliste d'un hebdomadaire local a fait le déplacement. C'est ici, au croisement de la rue Antonin-Georges Belin et du boulevard Jeanne d'Arc, qu'Aliss Ziri et Aliss Ri Khalfali ont été interpellés par la police. La mort d'Aliss Ziri 48 heures plus tard. Ce dont on se souvient tous ici, c'est que la première conférence de presse, on l'a voulu
au foyer Sonacotra, parce qu'elle est symbolique, parce qu'Aliziri vient du foyer Sonacotra, il a vécu dans ce foyer-là. Il y a passé des dizaines d'années en compagnie de ses camarades de travail. Eh bien, cette première conférence de presse, il y avait simplement un journaliste. C'était sans compter sur la détermination des membres du collectif qui engagent un combat de longue haleine contre le mépris de l'administration et le silence des médias. Le collectif organise ainsi une marche pacifique dans les rues d'Argenteuil qui rassemble environ un millier de personnes. Des citoyens, mais aussi des associations et des organisations politiques et syndicales se joignent au collectif pour réclamer une nouvelle expertise sur les causes du décès d'Aliziri et demandent à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Certains élus prennent part à la marche, non sans arborer leur écharpe tricolore. La presse locale couvre cette marche tandis que le corps d'Aliziri est maintenu à la maison funéraire d'Argenteuil sur la demande de la famille et de l'avocat. Devant cette mobilisation citoyenne, le parquet ordonne une nouvelle autopsie. Il a fallu toute la détermination d'un collectif qui s'est mis en place. D'abord avec une association qui a joué un rôle central, qui a été l'Association des travailleurs maghrébins de France, la TMF, et ses militants et ses militantes qu'on connaît bien sur Argenteuil. Mais autour de cette association, ce sont des syndicats, des partis politiques, des associations, autres, et surtout des citoyens, des citoyennes qui ne voulaient pas laisser ce meurtre-là impuni. Eh bien, ce collectif-là a poussé très fort. Il y a eu une première mobilisation, une grande manifestation ici. Et puis, comme ça n'a pas suffi, parce qu'en haut lieu, ils avaient décidé de classer l'affaire, il y a eu une mobilisation très importante. Le fameux 11 septembre 2009. Sans aucun jeu de mots, de bas étage, avec ce qui a pu se passer à fameux 11 septembre. On le voulait le 11 septembre parce que c'était 4 mois après la mort d'Aliziri. Et ce collectif a décidé, chaque mois, le 11 de chacun des mois qui allait passer, de commémorer sa mort, de rendre hommage à M. Aliziri. Comment la première autopsie réalisée à l'hôpital de Garges a-t-elle pu donner des conclusions aussi lacunaires, voire aussi contradictoires? La sénatrice Halima Boumediene décide de saisir la CNDS, Commission nationale de déontologie de la sécurité. J'ai écrit à la sous-préfecture et pour demander à ce que le collectif Aliziri soit reçu. N'ayant pas eu de réponse, j'ai écrit après au ministère de l'Intérieur. Et là, en effet, je comprends que la sous-préfecture a eu l'ordre de ne pas recevoir le collectif. Et cette fin de non-recevoir est tout simplement une décision politique. La CNDS a tout de suite poursuivi. Elle m'a tout de suite répondu, vraiment sans problème. Je crois que c'est celle qui a été la plus réactive. Elle m'a tout de suite tenue au courant de ce qu'elle allait faire, notamment qu'elle allait entendre Areski. Après un été particulièrement tendu, le collectif, composé d'une trentaine d'associations et d'organisations, s'indigne. Il décide d'organiser un nouveau rassemblement sur la dalle d'Argenteuil. Plusieurs grands médias étaient présents. Dans ce qu'il convient à présent d'appeler l'affaire Aliziri, il y a ce que nous comprenons et il y a ce que nous ne comprenons pas. Ce que nous ne comprenons pas, c'est comment deux retraités, Areski Kerfali, Aliziri, 61 ans et 69 ans, peuvent-ils constituer un danger pour de jeunes policiers entraînés au point de justifier une intervention policière des plus musclées. Ce que nous ne comprenons pas, c'est comment Aliziri, arrêté en bonne santé, a pu décéder moins de 2 jours après son arrestation sur un lit d'hôpital. Ce qui nous apparaît évident, c'est que la formation des jeunes policiers à la compréhension de l'environnement culturel dans lequel ils sont en milieu urbain est fortement en question. Ce que nous défendons avec un certain nombre d'organisations, l'ensemble des organisations présentes au sein de ce collectif, c'est donc une certaine idée de la justice, des libertés publiques et du droit, et un principe fondamental en République, l'égalité de tous les citoyens devant la loi.
Oui, j'ai appris par inadvertance comme quoi un ancien maghrébin s'était fait arrêter, interpellé par la police à Argenteuil le 9 juin et 3 jours plus tard, il était décédé à l'hôpital d'Argenteuil. Voyant, disons, cette affaire, je rejoins en tant qu'humaniste le collectif Aliziri pour soutenir et chercher la vérité de ce qui était arrivé à ce pauvre maghrébin qui venait là chercher des affaires pour son fils qui allait se marier dans son pays. C'est évident que ce pauvre Aliziri, eh bien, il a des circonstances exténuantes, si je puis dire. Il n'est pas de souche européenne. Et bien entendu, cela ne joue pas en faveur de l'accomplissement de la justice, comme le rapport d'Amnesty International l'a fait remarquer. Mais ce qui est plus troublant encore, c'est l'attitude de la société française, l'attitude des pouvoirs publics, l'attitude de la presse, l'attitude de ceux qui normalement font l'opinion. Quel a été leur comportement ? Silence radio. Personne n'est indigné par une telle mort. Comme si ce genre de mort était tout à fait normal, était tout à fait dans la continuité de ce qui s'est toujours fait. Et c'est cela qui est intolérable. Et c'est cela qu'il faut dénoncer. Le 5 octobre 2009, le parquet, face à une affaire qui pourrait scandaliser l'opinion, décide d'ouvrir une information judiciaire à l'encontre des policiers. La plainte pour homicide involontaire est requalifiée pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. De la relecture du dossier, etc., nous retenons, c'est le professeur qui le dit, la présence de multiples hématomes dorsolombaires, thoracique latéral droit et des membres inférieurs dont certains peuvent être en rapport avec un maintien, c'est-à-dire le fait que Aliziri était maintenu par quelqu'un, bien évidemment, ça peut être un policier ou quelqu'un d'autre. Mais la première constatation, c'est qu'il y a des hématomes qui sont dus à un maintien très fort de Aliziri. Deuxième chose, l'absence de signes d'alcoolisme au niveau du foie, l'absence de signes de régurgitation, c'est-à-dire le fait qu'il ait vomi, y compris à l'intérieur de ses poumons, l'absence de syndrome de Mendelsohn aux examens. Et troisième constatation, les lésions cardiaques sont constituées d'un foyer de fibrose ancien sous endocardique, donc c'est très technique, on va voir, mais en tout état de cause, c'est pas le cœur qui était fragile qui a pu entraîner le décès d'Aliziri. Et la conclusion de tout cela, du professeur Lecomte, Ziri Ali, âgé de 69 ans, est décédé d'un arrêt cardio-circulatoire d'origine hypoxique par suffocation multifonctionnelle, appui postérieur dorsal, c'est-à-dire sur le dos, il y a eu un appui, de la face, donc face à lui, et notion de vomissement. La constatation, j'explique de façon beaucoup plus simple, c'est que visiblement, Aliziri, d'après les constatations du professeur Lecomte, c'est le fait que Aliziri était maintenu de façon forte qui a fait qu'il est décédé.